faites, dis donc, sur mon lit? On regarde la télé. Vous m'avez squatté mon lit pour regarder la télé? Oui. Non, mais dis donc. C'est vrai qu'il fait pas beau dehors, il pleut. Hein. Oui. Ouais, il fait pas terrible. Hein. Du coup, ben, on est mercredi, on regarde la télé. Ça marche pas trop, par contre. Ça marche pas trop, la télé? Non. Vous regardez quoi? Ah, mais c'est Gulli que vous regardez? Oui. C'est bien? Oui. Flash info. La société Hasbro nous a signalé la disparition de deux petits chats, aussi appelés Lost Kitties. D'après nos sources, ils seraient tombés malencontreusement dans des boîtes de lait, puis expédiés dans toute la France. Quatre d'entre eux auraient été vus la dernière fois près de Nîmes dans la maison des Kids Studio Test. Si vous les retrouvez, prenez bien soin d'eux et vous pourrez aussi les adopter. T'as entendu ce qu'elle a dit? Oui, à la télé, il y a eu un flash info. Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont bien parlé de chez nous? Oui. Bah. Il y a des chats perdus. Des chats perdus à la maison? Ouais, c'est un peu n'importe quoi parce qu'on n'en a pas vu. Bah non, on n'a pas vu de chat perdu, non? Bah. Peut-être mon chat? Peut-être mon chat? Peut-être qu'ils ont confondu avec nos chats? Peut-être, tu crois? Mais non, nos chats, bah, Dina, rentre pas dans une boîte de lait, hein. Ah oui. Et puis, elle s'appelle pas Lost Kitty, hein. Je pense pas, hein. Bon, c'est bizarre, cette histoire. Ouais. Bon, je sais pas. Regardez dans la maison, quand même, hein, si vous mettez pas les pieds sur une petite boîte de lait, ou je sais pas, hein. D'accord. On va voir, on va aller chercher dans la maison, parce qu'apparemment, on a chez nous des chats perdus, des Lost Kitties, est-ce qu'ils disent? Bon, on va voir ça, on va aller fouiller un peu, mais je pense pas qu'on en trouve parce que moi j'en ai pas vu. Moi non plus, j'en vois pas. Tiens, on va aller voir s'il y a des Lost Kitties. Ouais. Mais Dina, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as sur toi, Dina? Elle a des Lost Kitties! Oui. C'est toi qui les avais! Merci, Dina! Merci! C'est trop gentil! Viens, on les ouvre! On va plutôt les prendre. Ben, les loulous, qu'est-ce que vous faites là? On a des Lost Kitties! Vous les avez trouvés? Oui! Mais ils étaient où? Sur Dina! Sur Dina? Dina les a gardés. Mais elle est trop gentille, cette petite Dina, dis donc. Ben dites-moi, on va les ouvrir alors? Oui. Du coup, on les a trouvés. Vous êtes d'accord? Oui. Ben, faites voir, vous en avez trouvé combien? 4. Oh, mais vous avez tous retrouvé, alors c'était vrai ce qu'ils disaient à la télé? Oui. Ben fais voir à quoi ça ressemble, ma chérie. C'est des briques de lait. Et oui, ce sont vraiment des briques de lait. Lost Kitties! Oh, tu crois qu'il y a un chat enfermé là-dedans? Oui. Ouais. Oui, il y a marqué qu'il y a un chat, deux surprises et un pot avec je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On les ouvre ces chats, on va les libérer? Oui. Oh, la Dina d'ailleurs derrière nous. Merci Dina, merci. Merci. Alors vous croyez? Il y a quelque chose dedans? Ben ouais, vous croyez qu'ils sont dedans? Oh, il y a un gros dépliant à ce que je vois. Tu fais voir un peu le dépliant? Qu'est-ce qu'il y a à collectionner alors? Alors, ça c'est un dépliant, mais ça c'est un flyer. Ça c'est une collection. Attends, il y a un poster. C'est un poster.
Waouh, il est trop chouette, ça fait un poster. Ouais, c'est cool. Avec le flyer. Ouais, il y a le flyer à l'arrière. Alors, on a le poster que Corentin va nous montrer. Super poster. J'ai de la pâte dorée. Trop beau, vous pouvez le mettre dans la chambre. Il est trop beau. J'ai de la pâte un peu dorée, marron. De la pâte marron. Alors, on va découvrir ce qu'est cette pâte. Alors oui, apparemment c'est de la pâte à modeler à l'intérieur. Et dans la pâte à modeler, il y a plein de petits chats comme ceci à collectionner. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Et c'est la série 1, il y en a combien? Oui ma chérie, on va pouvoir l'ouvrir. Il y en a 36 à collectionner. Oui, c'est marqué en haut. Donc là on a apparemment des gouttes. Alors je pense que c'est la couleur de la pâte à modeler qui est à l'intérieur. Et là on a une marron. Alors fais voir Loulou, à quoi ça ressemble. Waouh, c'est une super boîte ça. Alors regardez les amis. Alors c'est pas encore sorti, ça ne saurait tarder je pense. Voici la petite boîte. Et c'est marrant parce qu'on dirait une tache de lait en fait dessus. Alors elle est marron. Oui, je vais te donner le flyer. Et moi j'ai une pâte à modeler blanche. Et pour Corentin, c'est une pâte à modeler blanche. Alors est-ce que vous voulez l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. Oui. Oh, c'est bien, faut trifouiller dedans. C'est cool ça. C'est dans un sachet. Waouh, on va avoir plein de pâtes à modeler. On adore la pâte à modeler. Voilà. Ah, je crois que c'est dans un sachet, donc tu as besoin d'une paire de ciseaux. Tiens mon chéri. Alors on a un premier sachet, tu montres un peu aux copains quoi ressemble ton sachet. Oui, c'est un sachet bleu. Un sachet bleu. Et à l'intérieur, ne te coupe pas les doigts surtout. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Oh, on dirait qu'il est blasé. Oh, c'est un chat. Alors on vous les montrera de plus près les amis. Ah. On vous donnera les petits noms. Il est blasé. C'est un petit chat avec un pull. Il est blasé, tu crois? Voilà. Il a un petit pull avec un flocon, donc je pense que c'est un chat qui a froid. Je pense qu'il a froid celui-ci. Et on a encore d'autres choses à l'intérieur parce qu'ils disent qu'on a encore des surprises. Oui. Oui. Oh, il y a plein de choses dans cette petite boîte, dis donc. Là. Oh, il est croquiqui. Oh. J'ai trop du bol. Tu as quoi? Un accessoire, c'est une console de jeux vidéo. Waouh, une manette de jeu avec vidéo. Une puce. Oh, ouais, bah ça c'est dingue. Hein. Oh, il est trop chaud celui d'Océane. Alors fais voir. Alors toi, il la mange un gros morceau de poulet. On dirait Corentin quand il mange son poulet. Voilà. Voilà, on peut l'appeler Coco du coup. Parce que Corentin quand il mange son poulet, il adore tellement ça qu'il le mange de la même manière. Je vais vous montrer. Moi j'ai eu un chat m'énerve. Ouais, Loulou. Ah, moi j'ai eu un chat m'énerve. Un chat m'énerve, il s'appelle comment? Un chat m'énerve qui s'appelle Flac. Flac. Ah bah oui. Moi il s'appelle comment? Alors je sais pas, on a Corentin. Moi il s'appelle Cro-Magnon, il s'appelle. Je crois, parce que regarde. Alors soit il s'appelle. Alors c'est un gratitude et Tumi. Un catitude. Catitude et il s'appelle Tommy Tum. Et normalement ils disent qu'il y a deux accessoires mais faut... Donc du coup t'as eu une manette pour le moi j'ai eu ça. Moi j'en ai. Oh, t'as eu un petit moulage d'une cuisse de poulet, tu peux faire un lit avec ça. Et une pelote de laine. Et de la pâte à modeler à l'intérieur. Oh, une pelote de laine, trop bien. Et moi j'ai eu encore une nourriture, je crois. Et je sais pas quoi. Alors c'est quoi? Et je crois du raisin. Tu crois du raisin? Bon, on trouvera ça aux copains après, je pense, lors du récapitulatif, non? Oui. Ouais. Alors ensuite, est-ce qu'on passe au suivant? Oui. Mais il y a pas autre chose dans la boîte, il me semble qu'il y a autre chose aussi. Si, bah oui, je viens de voir un petit autocollant, une petite... Un sticker. Ah oui. Mais tout au fond... Regardez, il y a Pochette qui est arrivé. Mais regardez, même à chaque fois... Et voilà le petit sticker Corentin avec à l'effigie en fait du chat que tu as eu donc de Flac. Oui, alors du coup il faudrait surtout pas le voir parce que sinon ça spoil. Moi c'est presque l'effigie, mais c'est
c'est ça? Oui, sauf qu'il mange. Là, le mien, il n'a il pas d'assiette. C'est Tumitum. Tumitum. Enfin, je sais pas comment ça s'écrit. Tumi, ça dit Tumitum. Alors, il a un poulet dans une assiette. Alors, est-ce qu'on passe au suivant? Oui. Ouais, bah, tu peux me faire ça. Oui, oh, j'aimerais trop avoir Flush et le nom des toilettes. Ah oui, en plus, il est trop kiki. Moi, j'aimerais bien avoir celui qui est couché là. C'est les chats perchés que j'aime bien voir. Les chats perchés. Moi, j'aimerais bien avoir lui. Oh, moi, j'aimerais bien avoir lui. Vous avez vu celui qui dort? Et une pâte à modeler blanche, encore une fois. Alors, les amis, apparemment, il existe trois couleurs de pâte à modeler. Il existe le blanc, le rose et le marron. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport aux raretés, parce que je vois qu'il y a beaucoup moins de rose par rapport au marron et vraiment énormément de blanc. Alors, je pense que les blancs, c'est par rapport à la rareté, en fait. Je pense que c'est ça. Moi, c'est un rare. Flush, mais il est en blanc. Je peux peut-être l'avoir dans les toilettes. Ah, oui, il est rigolo, celui des toilettes. Ouais, il tombe dans les toilettes. Bah, d'ailleurs, il a été au Flash Info. Il est bleu, tu veux dire? Il y a Clochette et Lina. Ah oui, ça tire les chats. Coucou Clochette. Coucou Lina. Merci maman. Il y a des chats partout. C'est la vidéo qui appartient aux chats. Hein? Je peux ouvrir l'autre? Bah oui, bien sûr, Louloute. J'ai de la pâte à modeler plein les doigts. Moi j'aime bien celui qui a une tête dans la part et qui a sa tête dans une part de pizza. Et celui qui a la tête dans une boîte de conserve. Regardez les amis. On en a un ici. Oui, boîte de pizza, j'aime bien. Sympa. Et celui avec. Avec. Celui. Bonne chance. Celui qui est dans une tasse. Monsieur quoi, tu. Oh, c'est celui qui est sur la boîte. C'est celui du logo. Et oui, fais voir, c'est celui qui est sur la boîte. C'est celui du logo. Trop de bol. Ah, il est trop mignon. On dirait chapeauté. On dirait chapeauté, les amis. Regardez comme il est beau. Oh là là, il est trop beau. Oh là 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 là, mon Dieu, il est trop mignon. Alors là, si ça, c'est des chats abandonnés, je sais pas comment on fait. Bon, on va les adopter. Bah ouais. Mais ça, si ça a été abandonné, c'est impossible. J'en ai eu un trop marrant. C'est celui qui a la tête de la boîte de conserve. Oh, trop bien. En plus, il est rose et violet. Les couleurs préférées de... Ouais. Et de maman. Ouais, bon, moi, c'est plutôt vrai. On dirait le chat d'Alice. Oh, c'est les mêmes couleurs. Le chat d'ailleurs. Oh, il est trop beau. Oh, il est rigolo. Alors, il ressemble pas du tout à un chat. Du coup, il a la tête dans un bocal. Il est trop marrant. Voilà, il est rose et violet. Et je crois qu'en fait, il se tient comme ça. Regardez le bien. Voilà. Il y a une coupe c'est de glace. Et puis du en fait. En fait, si vous voulez, moi, c'est une glace avec une corde. Ah, t'as une coupe de glace bleue. Avec une corde. Et tu es mort? Bah, avec une pelote de laine encore. Rouge? La même couleur que tout à l'heure ou pas, la pelote de laine? Oui. Ah, bon, c'est pas grave. Et moi, j'ai eu le même truc que tout à l'heure. Du raisin. Voilà. Attends. Et c'est pas un truc rouge encore. Le sticker, c'est trop bien. Il a une couronne. Mmh. Non, il a pas une couronne. Il a une coupe. C'est n'importe quoi. Yosène, tu as eu quoi alors en deuxième? Je sais pas. Ah, pas le même. Mais je vais lui faire un brossage de gamer. Une glace. Une glace. Une glace. Alors les loulous, est-ce que vous voulez qu'on montre aux copains de plus près nos Lost Kitties qu'on a eu? Oui. Ouais, alors on va leur faire un petit fauteuil en pâte à modeler et puis on vous retrouve avec eh bien le petit récap. Oui. On a Jérôme qui fait partie des chats perchés avec sa glace, son raisin, son autocollant. Alors on a Tumitum de la famille des Pachas avec son moule et son raisin et son petit autocollant. Alors on continue avec Mémès des chats Lilou. On a sa glace, sa pelote de laine et son autocollant. Et on termine avec Flac de la famille des chats m'énerve avec sa petite manette de jeu, sa pelote de laine et son joli petit stickers. On a terminé cette petite vidéo. Est-ce que ça vous a plu les loulous? Oui. On espère que cette petite introduction, ce petit sketch vous a plu aussi. Dites-nous le où. Dans les commentaires. Quel est votre petit Lost
podcast Kitties, bah dites-nous-le aussi dans les commentaires préférés. Et vous, c'est lequel? Moi, c'est celui avec la manette de jeu. Du coup, c'est Flac. Ben, moi, c'est lui. Et moi, c'est celui avec le poulet dans la bouche. Il est trop marrant. Donc, dites-nous tout dans les commentaires. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Et aussi, si vous êtes resté jusqu'à maintenant et que vous voulez participer pour une dédicace dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre hashtag LostKitties dans les commentaires. On vous fait des gros bisous. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao les amis.